Avant de poursuivre, direction le Premier ministère, où Yacouba Isaac Zida a échangé ce matin avec une délégation de la Banque africaine de développement. La transition politique au Burkina Faso et le renforcement de la démocratie ont été les sujets évoqués au cours de l'entretien avec le Premier ministre. La BAD, la Banque africaine de développement, prévoit un appui conséquent au processus en cours dans notre pays. À la fin de l'audience, Yolande Lompo a demandé aux représentants de la BAD comment cela va se déployer. On l'écoute. Nous essayons de discuter avec les autorités pour trouver les moyens d'aller vite, compte tenu du gouvernement en transition, pour leur permettre d'apporter des solutions urgentes aux besoins les plus immédiats, mais aussi donner aussi le cadre, la base nécessaire aux futurs dirigeants de ce pays qui vont venir après les élections démocratiques pour que le pays trouve la stabilité. Compte tenu des événements qui se sont produits dans le pays et des efforts engagés par le gouvernement en matière aussi bien de consolidation de la démocratie qu'au niveau de la gestion que du développement du pays, il était de mon devoir de pouvoir venir à Ouaga pour discuter avec le gouvernement des conditions pour essayer de renforcer l'appui de la banque au niveau des efforts engagés et permettre au Burkina de poursuivre ses efforts dans la paix et la démocratie.